Shazam, que la porte s'ouvre. Plutôt bien, hein? Ouais, vraiment. C'est... Oh génial. Oh ouais! Je suis le DJ. T'es excité? T'en as pas l'air. Je suis trop excité, là. C'est comme une petite aventure, une sexcapade. Ruban de la police. De Anna Agnès. Ils auraient pu l'enlever. En fait, personne n'a jamais clos l'enquête. Ok. J'ai la trouille maintenant. Bah, où qu'elles soient maintenant, je suis sûr qu'elles sont heureuses. Qu'en pense à elles? C'est une belle façon de voir les choses. Entendu? J'ai entendu un truc. Ouais. Oh, merde. Je crois qu'on n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Il n'y a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec Émilie. Tu sais quoi? Merde! On est des aventuriers! Je suis sûre qu'on trouvera un autre chemin dans le coin. Jess! Putain! Hé, hey, Jessica! Ouais? Ça va? Bordel, tu m'as foutu une de citrouille! Tu crois que j'ai pas eu peur, moi? Et tu t'es pas blessée, au moins? À ce que je vois, j'ai toujours mes 7 membres sur moi! Ouais, ouais. Tu peux sortir? Je peux pas te dire! Je sais pas, je vois rien du tout ici. Ok, Jess, il y a un chariot. Je pense que si tu pouvais le pousser, tu pourrais sortir. Ok. Ok, laisse-moi juste essayer. C'est bien trop lourd. Ok, c'est encore. C'est... super lourd. Peut-être que tu l'as déjà poussé un peu. Hé, Michael, je suis... plutôt musclé et tout, mais... je pense pas pouvoir y arriver. T'as d'autres bonnes idées? Chérie, tu vois cette petite ouverture entre le chariot et le mur? La minuscule ouverture? Ouais, tu peux peut-être te... tu vois, je sais pas, te faufiler à l'intérieur. J'apprécie la confiance que tu places en mon physique, mais je pense pas que les jumeaux passeront. Ah, ah oui, à cause des... Ok. Je vois. Alors, soit tu m'envoies cette lumière... soit tu agis en héros, et tu sautes pour me prêter main forte. Ok, bouge pas. J'arrive. Tu ferais bien de te dépêcher avant qu'un autre malabar n'arrive. Hé, hey, beau gosse. Tu m'aides à déplacer ce chariot? Ok. Aide-moi à le bouger, aide-moi à le bouger. Ok. Je
j'imaginais Jemira à l'unisson. Je pensais pas vraiment à ça. Me donne des frissons, et dans le mauvais sens du terme. Si tu veux, je vais essayer de te réconforter. Garde ça pour la cabane, mon gars. C'est un drôle d'endroit pour fumer le cigare. C'est récent. Je me demande qui était là. Waouh. Ce lieu est historique. Oh, comme à Lascaux. Ça doit remonter aux Indiens, non? Je ne pense pas que les mineurs aimaient faire de la déco, non. Non, 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 c'est une sorte de sanctuaire ou un truc du genre. Un sanctuaire. Wow. Tu vas bien? Oui. C'est pas passé loin. Ouais, je pense pas que cet endroit soit aux normes. Ouais, ok. Je pense qu'il est temps de partir. Vieille urine à retaper. Enfin, une petite lueur d'espoir.
Eh bien, quand Josh a dit cabane, j'ai pensé Robinson Crusoe. Attends de voir la chambre de Robinson. Oh, tu as envie d'exploiter mon côté sauvage? Quoi, tu veux grimper sur mon palmier? Ok, garde-en pour plus tard, mon grand. Oh, un télescope! Je vais regarder les arbres, regarder les nuages, regarder la cape. Waouh. Ça va? J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Hey Jess? Reste près de moi, ok? Pourquoi? Ben, ce panneau dit que des ours bruns rôdent parfois par ici. Oh, Michael, je viens d'avoir une idée géniale. Quoi? Allons faire un câlin à un ours. Viens! S'il te plaît, allez, viens! Mais non! Mais t'es pas bien, on va pas faire de câlin à un ours. Ok, voyons ça. Je jouais le jeu, c'est la saison des amours. Waouh, coquin. Ouais, je suis comme ça, j'aime donner. J'ai eu peur. Bon sang, Josh. T'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Vraiment? Quoi? Je pensais pas que t'étais genre vert à moitié vide. T'as une meilleure idée? Recule, sale pessimiste. Ah, bouh, frimeuse. Hé, hey, Mike. Je crois que t'as quelque chose sur la figure. Ah! Boum! Ok. Si c'est ça que tu veux! Jess? Jess! Samy! Quoi? Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît? En fait, j'entrais justement dans mon bain. Oh! Bah, surtout, hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle. C'est pas vrai. D'accord, Josh. Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet.
Waouh. C'était quoi ça? Ok, bien que vos remarques soient constructives, je crois que j'ai une meilleure idée pour vous. Quoi? Ok, parce que je suis à peu près sûr que dans cette bigogue de folie, on avait un plateau de spiritisme. Un quoi? Waouh, t'as un plateau de spiritisme? C'est des conneries, mec. Ça marche jamais. Je te dis que si, mec. On le faisait tout le temps. Enfin, moi... Hey, Josh, on n'a pas d'eau chaude. C'est genre une méga priorité, non? Ouais, je vais allumer la chaudière. Elle est au sous-sol. Bon alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris, ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Ouais, si tu veux. Bien, tu ne le regretteras pas. Alors, ça te dit une balade? Comment j'ai envoyé Chris et H en mission tous les deux? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Oh, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancée. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un... coup de pouce qui les rapproche, tu vois. Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge. Sam. Oui, Josh. Je voulais seulement te dire que... Quoi? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année, et puis que... toi, tu sois là, Sam. Josh, on est là pour toi. Vraiment, peu importe comment et quand, on va tous surmonter ça. Ensemble. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Hey, regarde où tu marches. Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier.
Désolé de te ramener à la dure réalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Ouais, c'est... C'est vrai que ça craint par ici. Ouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. C'est la tienne ? Ouais, avant je jouais au baseball tout le temps avec mon père. Bien sûr, c'était avant. Avant qu'il soit trop occupé pour passer du temps avec moi. Eh ben, t'as qu'à me la mettre de côté, d'accord ? Bon allez, maintenant je vais voir ce que je peux faire avec cette bonne vieille chaudière. Tiens, tu peux tenir ça ? C'était quoi ? De quoi tu parles ? Éclaire par ici que je puisse voir ce que je fais. Joli ! Ok, pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique. Oh, arrête. Je fais mon jauge, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. Non, j'ai pas eu peur. Non, bien sûr. T'as seulement sauté pour faire quelques pas d'aérobic. Ah ouais, d'accord. T'es trop en train de flipper, toi aussi. Quoi? Arrête, non. T'es blanc comme un linge. Mais non, allez, je suis resté ici assez longtemps. Cet endroit fait toutes sortes de bruits. C'est un vieux chalet. Et ben, parfois, ça craque. Mais, attends, t'as entendu comme moi, là? Josh. Quoi? Le rythme est... étrangement régulier. C'est... Non, c'est pas du tout régulier. Je vais aller voir. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut faire, Trouillard ? Non, c'est probablement rien, à mon avis. Et si tu gardais le fort pendant que moi je vais voir ? Oui, madame, tout ce que vous voudrez. Bien joué, celle-là était bien. Mais pourquoi t'as fait ça? Quoi? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez, j'étais obligé de profiter de la situation. Non mais, tu déconnes là. Et toi, t'étais au courant de tout ça? Non, mais j'aurais aimé. C'était trop fort.
Je veux bien admettre que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose d'humour. Je suis le maître de la blague. Non, non, j'ai rien dit sur tes blagues. J'ai juste dit que ta plaisanterie était débile. Ah, putain, t'étais terrorisé. Allez, admets-le. Alors là, pas du tout. Ito, tu t'es complètement pissé dessus. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes? J'ai trouvé ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord, d'accord. Et t'as trouvé le bidule? Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi? Non, j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok, alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fourbe. Ok. J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur de l'isolement, de la solitude. Vous aussi, ça vous effraie? Tiens donc. Pourtant, ne croyez-vous pas que votre façon de jouer ne reflète pas cette phobie? Analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux? La loyauté ou la franchise? Donc, vous seriez prêt à mentir par loyauté envers un ami, bien? Et si je vous dis loyauté ou charité? Vous préférez vous occuper de vos amis plutôt que des plus démunis? Ah, mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. Juste une blague, Anna! C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mystérieuse disparition de ses filles, Anna et Bess Washington. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Boum! L'effet papillon. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupé à faire ta connasse. Arrêtez! Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais, d'accord. T'as entendu? Bordel, qu'est-ce que tu portes? Voici notre billet vers le monde des esprits. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fourbe. Si c'est ça que tu veux... Jess? Jess! Alors, ça dit ici...